Salut! Alors, vous étiez peut-être là, ou là, ou là, ou là, ou par là, j'en sais rien. En tout cas, maintenant, on est à peu près tous rentrés de vacances. Il y a un problème en ce qui me concerne, c'est que j'ai oublié un truc au camping avant de rentrer. Ma femme. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est bien le camping? Oui. Je suis venu chez vous, je suis reparti hier après-midi, et je me suis rendu compte en arrivant à la maison que j'avais oublié ma femme chez vous. Ah, ouais. Vous l'avez oublié où? Bah, je l'avais posée à la piscine, et puis après je crois que j'ai oublié de la reprendre pour la mettre dans la voiture. Monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous me racontez? Comment ça? Bah, vous avez oublié votre femme. Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte, vous appelez qu'aujourd'hui? Comment vous le savez? Bah, je sais pas. Vous me cachez quelque chose? Ah ben, je vous cache rien, je vous promets monsieur. Bon, passez-moi le responsable. Bah, je vous le passe. Ah. Oui. Bonjour madame, c'est bien. Attendez, là je comprends pas. Oui. Vous avez oublié votre épouse? Voilà, c'est ça. Donc je voulais savoir si vous l'avez rapportée. Elle, un petit souci là. Ah bah oui. Elle est comment cette dame? Bah elle est très sympathique. Oui, ça j'en doute pas, mais. Oui. Elle s'appelle comment? Martine. Martine. Ouais. Son nom de famille en cas où? Martin. Martin. Oui. Elle est avec vous, c'est ça? Non, monsieur. Non, j'ai pas votre dame. Vous essayez de la protéger, c'est ça? Oh là, mais c'est quoi ce bint là? Non, mais je vois clair dans votre jeu. Vous seriez pas un peu malade, vous là? Votre femme, je la connais pas. Faudrait peut-être vous faire soigner, hein, parce que moi. Non, mais je comprends que vous protégez. Dites-moi qui est-ce qui vous a ouvert? Ah, bah c'est vous. Ah non, j'étais pas là. Ah, bah oui, vous étiez avec ma femme. Ah, écoutez, monsieur, hein, ça suffit bien, moi je porte plainte contre vous. Hein. Ah, bah c'est moi qui porte plainte? Ah, oui, bah allez-y. Je porte plainte pour trompisme avec ma femme. Comment j'étais, moi? Physiquement? Roux et chauve? Ah, bah non. Moi j'ai les cheveux longs avec une moustache. Vous êtes sûr? Ah bah je me connais quand même. Je m'appelle Michel. Écoutez-moi Michel, oui. Je vois venir le truc, vous allez mettre une fausse moustache pour vous déguiser. Non, écoutez, moi j'ai une moustache, ça fait 40 ans que je l'ai. Non mais c'est ça, non, vous allez me faire le coup de la fausse moustache. Bon bah vous allez tirer dessus, vous allez voir hein, que c'est une vraie moustache monsieur, et des vrais cheveux. Oh non, c'est une perruque. Ouais, il faudrait peut-être vous faire soigner parce que là... Non mais si vous aviez une moustache comme vous prétendez, oui. On l'entendrait frotter contre le téléphone, ça ferait une sorte de... Oh non, mais vous êtes malade monsieur. Hein. Bah j'entends pas de frottement de moustache. Ah bah j'ai un téléphone fixe, c'est pas un téléphone portable. Hein. Et alors? Oui, vous n'avez pas la moustache, là, vous ne la portez pas. Bon, bah, venez me voir ce soir et on va s'arranger. Je serai habillé si vous voulez me voir. Ah bah, j'espère bien que vous serez habillé, oui. Oh non, mais monsieur, vous allez me donner vos coordonnées. Oui. Alors, Martin, votre prénom? Martin, oui. Oui, Martin, c'est pas votre... Mais votre nom, votre prénom? Martin. Martin, mais après, votre prénom et votre nom? Martin. Et votre numéro de téléphone? Martin. Non, mais vous êtes malade, hein, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Oui. Bah, passez-le moi. Ah bah, je vous le passe. Il y a le monsieur avec la fausse moustache qui veut te parler. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Martin. Bon, bah, vous êtes le même. Vous êtes malade, monsieur. Hein. Pas du tout. Si, vous êtes... Bah, c'est vous qui, quand même, avez une aventure avec la femme de mon beau-frère. Bah, passez-moi votre beau-frère. Ah bah, je vous le passe. Voilà. Tiens, il y a le petit roux, là, qui veut te parler. Ah, le petit roux? Oui, allô? Oui, c'est la même personne. Hein. Ah, pas du tout? Si. Ah non, c'est pas moi. Et vous appelez comment? Martin. Bon, allez, j'appelle la gendarmerie, moi. Ah bah, je vous passe un gendarme? Oui, il est complètement malade. Hein. Ne quittez pas. Allô? Vous êtes monsieur? Capitaine Martin. Oui, capitaine Martin. Allez, va te faire voir. Et puis, un point terminé. Comment j'étais, moi? Roux et chauve? Ah bah non, moi j'ai les cheveux longs avec une moustache. Non mais c'est ça, non, vous allez me faire le coup de la fausse moustache. Bon bah vous allez tirer dessus, vous allez voir hein, que c'est une vraie moustache. Si vous aviez une moustache comme vous prétendez, oui. On l'entendrait frotter contre le téléphone, ça ferait une sorte de... Oh là, mais vous êtes malade, monsieur. Hein. Bonjour, c'est Martin de l'Appel Trop Con de Rire et Chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres à regarder. C'est-à-dire qu'il y en a là, il y en a là, il n'y en a pas là, mais il y en a là. Là, enfin bon, il y en a partout. Et puis au passage, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Rire et Chanson. Hein ? À bientôt ! C'est pas tactile, hein, ça s'arrête pas ton... Comment je fais pour...